c'était aussi une fierté et un honneur pour moi de pouvoir représenter la Tunisie. Bon, sincèrement, je n'ai pas discuté avec, avec le coach, je n'ai pas discuté avec, avec le président aussi, mais il y a le secrétaire général qui m'a appelé. Et voilà, quoi, lui aussi, bon, je pense qu'il avait déjà pris la décision avec, avec le président, puis, bon, je pense aussi avec le coach. Donc ils m'ont appelé, on s'est assis, ils m'ont expliqué la chose, ils m'ont fait comprendre comment la chose devait se passer. Et puis bon, voilà quoi. Et comme auparavant aussi, j'étais déjà partant, j'ai trouvé que c'était quelque chose vraiment de vraiment très très bien pour moi. Et en tout cas, c'était un honneur pour moi, quoi. Je ne m'attendais pas à ça, donc vraiment, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit que c'était quelque chose de bien, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes officiellement un Tunisien? Officiellement. Vous avez choisi le nom ou pas? Bon, le nom, pas encore, mais je pense que prochainement, Inch'Allah, mais pas encore. Je n'ai pas joué avec l'équipe nationale ivoirienne, j'ai joué avec, avec les jeunes, c'est-à-dire la catégorie des espoirs et juniors, mais je n'ai pas eu la chance de jouer avec l'équipe nationale A. Donc j'ai été appelé, mais je n'ai pas joué, j'étais dans les tribunes. Donc, Vous n'avez pas joué contre l'équipe nigérienne, avec l'équipe du Chan? Non, l'équipe du Nigeria, le match qu'on avait joué, c'était la qualification. Oui, la qualification pour la Chan, mais on n'a pas été qualifié pour la Chan, donc je n'ai pas pu jouer. Donc automatiquement, je pense que c'est pas quelque chose de. Voilà quoi, c'est pas quelque chose d'officiel avec l'équipe nationale A. Mais ça, mais c'était pas l'équipe nationale A, c'était l'équipe nationale A prime. C'était juste une qualification pour la Chan, mais on ne s'est pas qualifié. Vous étiez convoqué avec l'équipe ivoirienne? Oui, bien sûr. C'était, comme je dis, c'était la catégorie A prime. C'est-à-dire que je jouais encore au pays, en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà quoi.